Cancer et ascendant Cancer, dans votre horoscope de ce mois de juillet, bon anniversaire au deuxième et au troisième décan. Vous n'avez aucune dissonance sur votre décan, donc vous êtes absolument libre d'être totalement vous-même, avec vos qualités, mais aussi avec vos défauts. Alors, essayez de ne montrer que vos qualités, c'est-à-dire votre côté très protecteur, ce souci que vous avez toujours d'être, quelqu'un de solide dans la famille, ou alors laissez-vous porter par la famille si vous avez besoin de vous reposer, si vous avez besoin de faire un break, prenez vos vacances en famille ou en tout cas dans un endroit familial où vous pourrez un petit peu déposer les armes et être justement totalement vous-même. Après le 22, le soleil entre en Lion, s'oppose à Pluton, mais je ne pense pas que ça ait vraiment cette opposition de Pluton. Je pense pas qu'elle ait un énorme impact sur vous. Bon, le soleil va se trouver dans votre secteur 2, de l'argent, du bien-être aussi, hein, de vos besoins. Donc, peut-être que vous vous réfrénerez un peu sur vos besoins, hein, que vous vous direz, ben non, faut que je fasse attention, que je dépense pas trop, ou que, peut-être que c'est quelqu'un d'ailleurs qui va un petit peu vous bloquer dans votre désir de vous faire plaisir d'une manière ou d'une autre. Du côté de vos activités, nous avons un Mars qui est encore en taureau, hein, jusqu'au 20. Elle est en harmonie avec vous, évidemment, mais alors elle est conjointe à Uranus, vous savez, la planète qui produit des imprévus, des changements de dernière minute, des virages à 180 degrés. Ça se trouve dans votre secteur amical, dans le secteur des projets. Alors, on peut très bien imaginer que vous allez changer, que vous allez tourner Kazakh, comme on dit, et que si vous aviez un projet, vous allez le remettre à plus tard ou alors le transformer d'une autre manière. Hein. Ça ne sera pas forcément votre désir, mais que ce sont les circonstances qui vous obligeront à effectuer ce changement. L'un de vos amis peut également vous faire une surprise, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça je ne peux pas le dire, mais il peut y avoir un effet de surprise. Après le 20, eh bien Mars sera en Gémeaux, c'est-à-dire dans votre secteur 12. On peut pas dire qu'elle sera très active ou que vous-même serez très actif, peut-être parce que vous allez partir en vacances. Mais bon, on a l'impression quand même que vous aurez plein de choses en tête, vous serez préoccupé par une situation qui concerne, avec les Gémeaux, en général ça peut concerner les frères et sœurs ou l'un de vos proches qui peut-être a un problème personnel ou un problème de santé, ça vous préoccupera pendant quelques jours et puis après vous passerez à autre chose, évidemment. Côté cœur, eh bien Vénus occupe elle aussi le Cancer en début de mois, jusqu'au 11, hein, et elle passe très très vite, elle passe très rapidement, elle est chez vous, donc possiblement, vous pouvez faire une rencontre ou si vous êtes en couple, ce sera une période vraiment très agréable où vous vous direz des mots d'amour ou alors vous entendrez mieux que d'habitude ou alors peut-être vous accueillerez de la famille chez vous ou c'est vous qui vous rendrez en famille et ce sera un moment vraiment que vous apprécierez. Hein. Même si ça ne dure que quelques jours, ce n'est pas grave, vous allez engranger du positif.
Après le 11, Vénus entre en Lion, votre secteur 2, on l'a vu tout à l'heure, et comme le Soleil, eh bien, elle sera opposée à Pluton. Donc, il faudra peut-être, sur le plan des plaisirs, des besoins, de tout ce qui est les demandes que vous pouvez adresser aux autres, peut-être qu'il faudra vous réfréner sur ce plan-là et être celui ou celle qui finalement... vous donne à vous-même ce dont vous avez besoin. Vous n'êtes pas obligé de dépendre des autres pour ce genre de choses. Il y a certainement en vous une partie de vous qui est tout à fait capable de se donner à elle-même ce dont elle a besoin. De bonnes journées, le 2, le 11, le 15 et le 24, d'abord pour faire la fête, pour votre anniversaire, et puis ensuite donc pour vos plaisirs, pour votre bien-être, pour votre argent aussi, et pour profiter. En fait, le mot clé, ça va être « profit ». J'espère que cette vidéo vous a plu, vous vous abonnez, vous likez. Et puis, si vous voulez plus d'astrologie, bien vous nous retrouvez sur nos réseaux sociaux, dans les lives du mardi et du vendredi, ou alors, évidemment, sur celastro.com. Mais n'oubliez pas non plus 12, l'application de rencontre grâce à vos compatibilités astrologiques et puis les consultations que nous donnons, Zoé et moi. Nous vous souhaitons un très bon mois de juillet.